Ses pas sont encore hésitants, mais ses progrès immenses. Aujourd'hui, Mariana peut se rendre seule en séance de rééducation. Il y a moins d'un an, en décembre dernier, elle est plongée dans le coma pendant 3 semaines à la suite d'un AVC. Je suis arrivée ici fin février, avec les yeux qui bougeaient uniquement. J'ai été opérée au cervelet, donc là où il y a l'équilibre. Et j'ai tout réappris à marcher en fait. Un réapprentissage en accéléré grâce à une innovation technologique. À la fois fauteuil et exosquelette, ce dispositif médical permet à Mariana de se tenir debout sans avoir peur de tomber. Donc en fait, je ne peux pas tomber. Enfin, si je tombe, je m'assois. Pendant 7 semaines, elle ne quitte plus son fauteuil et devient ainsi plus autonome dans sa chambre. Se lever seule, ramasser un objet tombé, sa rééducation est constante et sa kinésithérapeute peut assurer seule la séance. Plus besoin d'une autre personne pour stabiliser Mariana. Pour moi, ça m'a changé la vie, on va dire. Ça aide à gagner en autonomie, en confiance. Donc après, on a le temps pour travailler autre chose. Elle peut désormais faire les mêmes exercices sans assistance. Comme Mariana, ils sont 5 patients à avoir pu bénéficier en avant-première de la technologie de LifeBloom. Cette entreprise française propose avec son dispositif médical un accompagnement sur mesure. On a également développé un système embarqué d'analyse de l'activité et de la marche et une plateforme qui met à disposition du contenu de rééducation et les performances journalières pour pouvoir se dépasser et maximiser la récupération d'une vie debout. Le dispositif vient d'être rendu accessible aux professionnels de santé, mais aucun prix n'est pour l'instant communiqué. L'entreprise vise une mise à disposition des particuliers d'ici 1 an.